J'ai grandi en Corse avec ma mère, à Ajaccio et dans mon petit village de montagne, à Haïti. À 11 ans, on est parti avec mon père en Mongolie. Tout l'objectif, c'était d'écrire un livre sur la société mongole. Pendant un mois, on est parti à la rencontre des différentes personnes qui font cette société, à vrai dire, assez passionnante. Ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser plus précisément aux cultures que je ne connaissais pas et de comprendre un peu mieux les enjeux économiques, sociaux de ces peuples, de ces sociétés. À 17 ans, j'ai intégré Sciences Po Paris. J'ai découvert et j'ai été pris de passion pour les sciences sociales. Ma vocation s'est précisée, elle est apparue dans toute son évidence. Je voulais devenir chercheur en sciences sociales. En deuxième année de Sciences Po, j'ai décidé de m'inscrire en parallèle à une licence de philosophie à l'université de Nanterre. J'ai une vision très multidisciplinaire des sciences sociales et dans ces sciences sociales, la philosophie a une place très importante à mes yeux. J'ai élaboré un projet d'étude au Groenland qui portera sur les représentations de l'avenir parmi cette population qui a longtemps été décrite comme vivant dans un présent permanent. Et en me permettant de continuer sereinement mon parcours vers la recherche, la Fondation m'ouvre un immense horizon des possibles. Aussi, je veux lui adresser un immense merci.